Dans cette très courte séquence, nous allons découvrir un charmant village en bordure du pays de Bray, Bosbordel. Le nom du village peut vous paraître un peu étrange. Bos, cela veut dire le bois. Et bordel, c'était une petite maison dans la graphie ancienne, une petite maison de planches. Rien à voir par conséquent avec ces édifices prestigieux que Marthe Richard a fait fermer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui m'amène à Bosbordel, la curiosité principale, c'est l'église du XIIIe siècle. Allons voir. Le clocher a l'air un peu penché. Le charme de la campagne brayonne. Cette campagne est truffée de petits villages particulièrement soignés. Vous vous demandez peut-être ce que cette église a de particulier pour que j'en fasse un petit film. Patience. Ce qui fait la valeur de l'église, c'est le porche Renaissance qui lui a été ajouté au XVIe siècle et qui est l'un des plus beaux de Normandie. Où l'on voit que le soubassement n'est pas laissé à l'abandon. L'appareillage de bois est soutenu par un mur de 1 mètre de haut, fait de silex blanc et noir. Cela me fait penser aux maisons de Hippor sur la côte d'Albâtre, qui souvent sont construites avec du silex. Regardez comme tout cela est bien conçu, comme c'est du bon travail. La partie la plus curieuse est à l'extérieur. Il s'agit d'un jugement dernier. Et je crois bien que moi je suis appelé à aller par là, malheureusement. Ou alors j'ai intérêt à prier Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Dans le coin, si vous passez, allez voir Ri. Tout simplement parce qu'il flotte le souvenir de Gustave Flaubert, hein, c'est Yonville, l'abbaye, le pays d'Emma Bovary, mais également parce qu'il y a un porche d'église encore plus impressionnant. Voici, pour cette petite curiosité brayonne dans le département de la Seine-Maritime, que j'ai filmé au passage en allant sur Forges-les-Eaux. C'est entre Buchy et Forges-les-Eaux et c'est plein de charme, un charme tout simple. Un ami me dit que le village se prononce Bosbordel. Je ne tranche pas.
Je lui en laisse la responsabilité. À proximité du village, en tout cas, s'en trouve un autre qui s'appelle Bois et Roux, où se trouve l'oratoire Saint-Blaise. On va prier à cet oratoire Saint-Blaise pour guérir des maux de gorge. Attention, Saint-Blaise, tu pourrais être attaqué pour exercice illégal de la médecine.